toutes et à tous, l'ami Segal de Toulon, j'espère que vous êtes en super forme, pour moi ça va super. Les copains, on se retrouve sur le compte développeur aujourd'hui pour tester les trois nouveaux Star Power de, bah, du coup, de trois brawlers différents. Il y aura Colt, il y aura Rico, il y aura Rosa aujourd'hui les gars. La semaine dernière on a vu, si je dis pas de bêtises, c'était Shelly, Nita et Karl. Sachant que j'avais dit que Shelly, le Star Power, le nouveau, était un petit peu pourri. J'ai dit une grosse bêtise les gars, malheureusement voilà, l'erreur est humaine. Et Dieu, je tenais à m'en excuser quand même vite fait. D'ailleurs je remercie Brawl Star France et Supercell pour leur confiance, ça fait vraiment plaisir de pouvoir tester tout ça en exclusivité. Et du coup, alors pour moi là, le truc est dingue, la vidéo du jour est dingue, parce qu'on va tester à mon avis le meilleur des nouveaux Star Power, qui est celui de Colt. Colt, ils ont fait un truc de fou. Alors faut savoir que Colt, à l'époque, le Star Power que vous connaissez, la vitesse de déplacement de Colt augmente de 8%. Star Power sous-côté qui est en réalité super bien. Beaucoup l'ont critiqué, mais c'était vraiment pratique sur les gros joueurs, ils aimaient beaucoup la vitesse de déplacement. Sauf que là, on nous propose, les copains, d'avoir une portée de vitesse de balle augmentée de 11%. La portée et la vitesse des balles, voilà, je relis bien, de Colt, sont augmentées de 11%, les gars. C'est énorme, c'est énorme. La portée 11%. Ça fait beaucoup, ça fait beaucoup, et comme je dis, c'était pour moi le meilleur brawler du jeu, pour ceux qui savent bien viser, hein, forcément, faut interdiction d'auto-shoot avec Colt, hein, ça sert absolument à rien, mais pour ceux qui savent bien viser, c'était déjà un des meilleurs. Là, en réalité, le brawler va être juste dingue, donc on va bien sûr se le tester juste après, on se les débriefe un petit peu avant. Et on se les teste après, bien sûr les copains, si vous kiffez ce genre de vidéo en exclu, on aura tout l'été, une fois par semaine on découvrira trois nouveaux Star Power, donc n'hésitez pas à exploser les pouces bleus, objectif de 5000 pouces bleus si vous voulez qu'on se fasse ces vidéos tout l'été, voilà, toutes les semaines on voit un petit peu lequel est le meilleur, lequel est plus intéressant que l'ancien, etc, etc. On va donc avoir Rosa et Rico, comme je l'ai dit, la petite Rosa, du coup, Rosa récupère 200 points de santé par seconde quand elle est cachée dans les buissons, c'était pas mal, ça en réalité... C'est un Star Power pas mal, surtout que Rosa est déjà vraiment... Enfin, elle était, parce qu'elle prend pas mal de patchs quand même. Mais elle reste quand même très forte, mais elle était beaucoup plus au tout début du jeu. Et le nouveau pouvoir Star, gant épineux. Lorsqu'elle utilise son super, les coups de poing de Rosa infligent 200 points de dégâts supplémentaires. Putain, mais les gars, c'était déjà fort. Ça va l'être encore plus. Et en réalité, je pense préférer celui-là. Moi, je vous dis honnêtement, je pense préférer le nouveau à l'ancien. Je préfère prendre des dégâts que régène dans les buissons, à mon avis. Ça peut être intéressant, ça peut être quand même intéressant, on verra ça bien sûr ensemble, tous ensemble tout à l'heure. Et donc du coup, notre petit Rico, les balles de ricochet pour son attaque et son super se chargent en ricochant et inflige 100 points de dégâts supplémentaires. Ça c'est celui que vous connaissez. Moi je vous propose maintenant repli robotique, si la santé de ricochet descend sous les 40%, il court, alors ça c'est génial, il court 34% plus vite les gars, ça vraiment, celui-là, d'ailleurs on va commencer par celui-là. Les gars, on va se garder pour le meilleur pour la fin. On va se garder Colt pour la fin et on va se tester le petit Rico, parce que ça, quand même, c'est un délire, j'ai envie de... Enfin, j'avoue que ça m'intrigue. Si sa santé descend sous les 40%, il court plus vite. Alors là, écoute, là franchement, j'avoue, vous avez réussi à me... je sais pas, à provoquer le... A provoqué une, je sais pas comment on peut dire ça, une excitation en moi. La map, qu'est-ce que vous voulez qu'on prenne? Cette map, en réalité, est-ce que ça peut être intéressant de... Alors c'est une map qui lui va bien, mais je suis pas certain. On va plutôt prendre un Brawl Ball. Un petit Brawl Ball des familles, on va se prendre et on va se tester ça comme ça. Quelle map vous voulez qu'on prenne? Ça c'est bien ça? Ça c'est bien ça. Allez, on va prendre celle-là. On va prendre celle-là, on lance malheureusement avec des bots, les gars, il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. On peut pas tout avoir non plus, la chance déjà de les utiliser, de vous les présenter, voir un petit peu. Bien sûr, les gars, c'est une vidéo où j'attends vos avis. Hein. L'autre jour, j'ai dit Shelly, elle est nulle, vous avez été nombreux à me reprendre, j'ai vu de suite que j'avais dit une bêtise, donc n'hésitez pas à faire la même chose, les copains. Hein. Je suis pas, voilà, je suis pas le... Je peux dire des bêtises aussi. Alors moi, j'aurais bien aimé qu'il mette des dégâts, mais pas trop, parce que j'ai pas beaucoup de dégâts. Lui, s'il peut m'en mettre un petit peu, voir un petit peu. Allez, allez. Ok. Ok, il m'a sauvé, il m'a sauvé. Il m'a mis des dégâts, il m'a mis une première salve. Je me suis dit, bonnard le mec, il voit que je suis en vidéo, le bot, il est intelligent. Non, non. Le bot n'a rien dans la tête, il m'a défoncé. Bon, on va quand même les sauver un petit peu. Ok, bon, là on en a pété 2-3. Est-ce que lui, il veut pas mettre des dégâts? Alors, 1680. Ouais. Vous trouvez que ça va plus vite pour l'instant, les gars? Les gars. Allez, mets-moi des dégâts. Mets-moi des dégâts, Mino. Allez. Ils veulent pas me tirer dessus. Je vais les énerver un petit peu. Alors, il va me mettre des dégâts. Alors là, normalement... Ah ouais, d'accord, on dirait Bibi. Ok, ah ouais, c'est dingue, les gars, putain. Alors par contre, forcément, ça va pas durer longtemps, on est d'accord, hein. Les copains, ça va pas durer longtemps, pour la bonne et simple raison que vous allez reprendre vos points de vie, donc logiquement, ça va s'arrêter. Mais pour se sortir d'une situation compliquée, j'avoue... Regardez
Regardez-moi ça. Ça me fait grave délirer. Ok, c'est pas mal. En réalité, c'est quand même pas mal le petit. La façon qu'ils ont eu faire de l'illustrer avec les petites flèches et tout sur les côtés. Quand vous allez plus vite, je trouve ça assez parlant. C'est plutôt pas mal. Donc, à voir, est-ce que ça va être mieux que le premier Star Power? J'avoue que je suis un petit peu mitigé. En tout cas, ça a le mérite d'être fun. On va se le retester. Allez, mets-moi des coups, mets-moi des coups. Vas-y, 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 vas-y. Alors, mettez-moi des coups, mais pas trop. Ils veulent pas. Ils veulent pas me taper. Bon, en même temps, on aura bien vu ce qu'on voulait voir. Allez, Colt, allez, Colt. Ah, mon collègue, il marque. Il s'est impatienté. Le bot, je crois que c'est bot 4 qui a mis le but. Il s'est un petit peu impatienté. Je suis mitigé, les gars, parce que certes, c'est fun. Certes, c'est rigolo. Est-ce que réellement, ça va apporter. Ça va réellement apporter quelque chose de dingue, j'en sais rien. J'avoue que là, c'est vous les boss. Dites-moi en commentaire ce que vous vous en pensez. Est-ce que vaut mieux garder le premier Star Power Super Rebond? Ou est-ce qu'il vaut mieux garder le deuxième? Je sais pas. Je sais pas. Personnellement, moi, pour Rico, c'est tellement un brawler de soutien. C'est-à-dire que voilà, il y a des tanks en général, comme quand vous prenez une map Showdown ou vous jouez en duo, il va y avoir un, je sais pas, un Bo qui donne la vision, par exemple, un Rico. On va dire que le Rico est vraiment derrière pour mettre les dégâts. Hein. C'est vraiment un petit peu comme un archer sur d'autres jeux, etc. Donc il n'est pas censé prendre d'énormes dégâts parce qu'il n'a pas beaucoup de points de vie. Donc pour moi, le fait qu'il aille plus vite, est-ce que ça va réellement lui apporter un truc ou pas? Les copains, c'est vous qui me dites ça en commentaire. On va partir sur Rosa directement. Du coup, Rosa, on a dit qu'elle mettait 200 points de dégâts supplémentaires. Bah écoutez, on va tester ça tranquillou. Alors je pense qu'on va les déboîter. Je vous le dis les copains, je pense qu'on va les déboîter. En tout cas, j'espère vraiment que ça vous fera kiffer cette petite vidéo. Parce que voilà, c'est du contenu bah, additionnel. Et en plus, c'est sur du compte dev et tout. C'est vraiment une chance que j'ai. Donc c'est plutôt pas mal. Alors une Shelly, c'est très dangereux une Shelly. 560 PV pour tonton. Est-ce que je me fais. Ouais, je me fais soulever. Est-ce que notre Daryl, il va mettre des dégâts? Bon là, je pense que moi, ce Star Power là, il risque de m'intéresser. Celui-là, sincèrement, je vais essayer. Moi, je pense que celui-là, je suis quasiment sûr de l'utiliser à la place de l'ancien. Donc voir un petit peu vous ce que vous en pensez. Mais moi, je suis assez sûr de moi. Autant celui de. Enfin, celui de Colt et celui de Rosa, je pense vraiment que je vais les utiliser, clairement. Ok, Tonton Gaël, il est pas en forme, je fais la vidéo super tôt le matin, et ça se voit, et ça se voit les gars. Je sais que vous êtes gentil, vous allez pas me le dire, mais la réalité, ça se voit. Au réveil, c'est une mauvaise idée. Alors, je perds ma voix au passage, bot 2, bot 2, bot 2, bot 2, qui n'est pas notre frérot d'habitude. C'est pas lui. Là, pour le coup, c'est réellement un bot, mais ouais, on va mettre encore plus de dégâts, donc moi, je dis que c'est une bonne idée sur celui-là. Alors, on va peut-être aller marquer, quand même. Ça sert à rien de faire durer la partie sur celui-là. Ouais, celui-là, il est moins. Il m'excite un peu moins. Je pense que enfin, c'est moins visible en fait. C'est moins fun. On le voit moins. La différence Star Power, c'est moins visible clairement. Donc moi je pense qu'il est bon celui-là. Vous me direz en commentaire lesquels, sur quel brawler à chaque fois, lequel on utilise. Moi clairement, je vais passer au nouveau Star Power sur Rosa. J'en suis sûr. Sur Rico, je pense pas passer. Très sincèrement, je pense plutôt le laisser en super rebond. Et on va garder le meilleur pour la fin. On va bifurquer sur notre petit Colt. Du coup, Colt, soit la vitesse de déplacement augmentée. Soit la portée et la vitesse des balles, clairement, là c'est pareil. Là on va bifurquer sur le nouveau. Hein. Je vais vraiment vouloir le débloquer dès qu'il va sortir celui-là rapido pour le tester en partie. C'est pas en testant avec des bots une game, c'est déjà une chance, mais c'est pas comme ça qu'on va s'en rendre compte non plus. Mais d'ailleurs en réalité on peut changer de map. Qu'est-ce que vous voulez qu'on prenne comme map? Est-ce qu'on peut pas se prendre un petit showdown? Un petit showdown. Un petit showdown sympa. On va se prendre un petit point chaud des familles, voir ce que ça donne. Du coup, nouveau Star Power les copains. J'espère vraiment que ça va tout déboîter. Est-ce qu'ils peuvent pas nous mettre un petit. Je sais pas, une couleur différente quand ils tirent, vous voyez? Style vraiment qu'on voit ce que ça apporte en plus en longueur et tout. Alors, là, on va essayer de prendre les popos par là. Là, ils sont en train de se soulever. Ils sont en train de se soulever les uns les autres. Alors, si je pouvais le tuer quand même, ce serait bien. Ok, je vise comme une brêle. Oh là là, les gars, faut que j'arrête de faire les vidéos le matin. Ça va qu'il est gentil. Hein. Ça va qu'il est gentil. Ça va qu'il est sympa. Lui, il veut me prendre ma nourriture. Lui, il veut me prendre ma nourriture. Colt, c'est vraiment pas le brawler que je gère le plus, putain. Pourtant, qu'est-ce que c'est fort. Qu'est-ce qu'il est fort. Alors, bon, en réalité, le mieux, c'eût été de prendre les box, on est d'accord. Ok, donc là, on se met grave bien. Lui, il part ou il reste? Il part ou il reste? Alors, est-ce que. J'essaie de l'anticiper sa course, elle est carrément bizarre. Ok, il suicide, il suicide, il suicide, ok, frérot, suicide-toi, on va te piquer tes popos.
Est-ce que vous avez observé, les gars, une réelle différence de longueur ou pas? J'avoue que je suis un petit peu focus sur la game. Et du coup, j'ai pas fait gaffe. Parce que 11%, pour moi, c'est beaucoup. Hein. C'est vraiment beaucoup. Donc, voir un petit peu ce que ça peut donner. Ok, on l'a pété. Bon, en même temps, elle avait un peu de tension. C'était pas dingue non plus. On va se tester un Brawl Ball juste pour voir un petit peu ce que ça donne. Mais là, clairement, j'ai hâte de tester ce Colt-là. Je pense que je vais prendre des cours. Je vais demander à des pro-players de me coacher parce que là, j'ai vraiment envie de prendre du level sur Colt. Quand je vois la puissance du brawler, c'est pas possible de tirer à côté comme ça. Attendez, quelle map? On va se prendre une nouvelle map Brawl Ball ou pas? Est-ce qu'on se prend une nouvelle map Brawl Ball ou pas? League Junior, triple dribble. Alors on va prendre triple dribble, on est reparti. Voir un petit peu si on arrive à les défoncer ou pas. Les copains, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est hyper hyper important. Donc je compte sur votre soutien. Ah ouais, là ça fait mal. Là ça fait mal, surtout que ils ont. Alors je vais. Non, mais je veux pas marquer moi, frérot. Ah putain. Ok, on va leur faire la passe. Et moi je veux juste casser la map en fait. Mon but c'est de tout péter comme ça, voilà. Oh là là, oh là là, carnage, 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 les trois alignés, ce fut un carnage. Allez, allez, Mino. Ok, ça marque. Donc là, Colt en Brawl Ball, c'est vraiment le mode où je trouve que ça lui va le mieux. Parce qu'il met des espèces de carnage, c'est un truc de dingue. Surtout quand les mecs restent alignés, comme les bots aujourd'hui. C'est vraiment un truc de fou. Alors attention, il y a un petit Brock par là. Le petit Brock par là, on essaie d'anticiper un petit peu. Il se cache et on va marquer, le Franck va rentrer. Il rentre, il rentre, il rentre, ok. Donc les copains. Que pensez-vous de ces Star Power? Pour moi, ils sont plus intéressants que ceux de la semaine dernière, parce que je suis sûr sur les trois d'en utiliser deux déjà, celui de Rosa et celui de Colt. Rico, vraiment, je me pose la question, mais la semaine dernière, ouais, j'étais un petit peu plus mitigé à part Nita, que j'avais trouvé vraiment sympa. Vraiment, les copains, voilà, j'attends votre retour sous la vidéo. Qu'en pensez-vous? Ceux qui vont me dire, ouais, Gaël, t'as dit des bêtises, les gars, soyez indulgents, voilà, j'ai pas joué 2 heures avec pour les tester. Peut-être que mon premier avis n'est pas le bon. En général, la première impression est la bonne, mais des fois, ça marche pas comme ça. Donc, en tout cas, je vous fais d'énormes bisous à tous. J'espère que ça vous aura régalé. Je vous dis à très bientôt dans d'autres vidéos. Et encore une fois, merci à Brawl Stars et à Supercell de leur confiance. Ciao, ciao!